Professeur Mahour Bacha Sabera, je remercie l'université d'Ensila et surtout l'Institut d'éducation physique et sportive d'Ensila, pour l'invitation pour communiquer aujourd'hui une conférence sur la détection et la sélection des jeunes talents. Comme nous le savons, elle est très importante pour mettre en évidence les différentes modalités de tester les jeunes les plus aptes à exceller au niveau des manifestations internationales. Nous allons présenter une batterie de tests qui sera, donnée aux différents entraîneurs et aux différents environnements pour choisir cette stratégie, pour mettre en évidence une stratégie de détection des sélections de jeunes talents. هذا لو تيست هذا الاختبار هو نتيجه الى اي اعمال يعني sur la base de quelle œuvre vous avez opté à ce test. Premièrement, présent, je suis déjà enseignante au niveau de l'Institut d'éducation et sportive de Alger 3, de l'université Alger 3. En même temps, je travaille au niveau de la fédération d'handball. Donc nous avons élaborer cette batterie de tests lors du festival des jeunes talents et on a mis en évidence une batterie de tests sur le plan morphologique, sur le plan physique et sur le plan physiologique. Donc cette batterie a été testée sur des jeunes, plus de 385 jeunes. Et après, on a élaboré une stratégie pour la mettre en évidence et la distribuer au niveau des wilayas et pas sur le plan du territoire national. Est-ce que ce test a été essayé avant dans un autre pays? Oui, tous les tests qu'on a mis en évidence, c'est des tests qui sont validés déjà. Parmi nous, la batterie de tests Orofit, donc c'est une batterie de tests qui est déjà validée. Et on a essayé de voir est-ce que ces différents tests peuvent être exécutés au niveau national. Et surtout dans une spécialité qui est le handball. Merci beaucoup. Merci. Professeur Perrin Mahour-Bacha Sabera, enseignant au niveau de l'espace de l'Université Alger 3. Je remercie l'Université de l'Université pour l'accueil et je suis très honorée d'être présent au congrès. Je remercie le directeur et la coordinatrice pour l'invitation. Alors, notre conclusion, c'est la détection et la sélection des
Les capacités
motivationnel, on ne peut pas accéder plus tard à la performance parce que le jeune n'est pas motivé pour avoir de bons résultats. Plus pour
pourquoi on travaille. L'enseignant ouvre la formation aussi du jeune étudiant à être capable de suivre l'évolution sur le terrain, à lui donner toutes les informations sur les recherches et aussi sur l'évolution de tel ou tel sport. Si on ne travaille pas en collaboration avec les clubs, avec les fédérations, avec le comité olympique, tous les travaux qu'on est en train de faire n'aboutissent à rien. S'ils ne sont pas liés réellement, ce qui se passe au niveau du terrain. On parle de détection ou de sélection des jeunes talents, c'est d'évaluation des étudiants qu'on forme. S'ils ne sont pas au courant des dernières technologies au niveau de l'évaluation physique, la performance motrice, sur l'évolution de ses capacités, que ce soit sur le plan motrice ou bien sur le plan technique, ces informations vont aider l'entraîneur à non seulement corriger son programme, mais aussi à mettre en évidence les meilleurs talents au service de la nation. Et je vous remercie.